de panique. Dossier OVNI. Dossier OVNI. Ce soir, comme nous vous l'avons annoncé depuis quelques jours, et même tout à l'heure, ce soir nous allons répondre encore une fois à vos questions. Ces questions, elles sont très nombreuses, et pour aider Jean-Claude Bourré à répondre à ces questions, eh bien, nous avons demandé à une personnalité de venir avec nous dans ce studio. Jean-Claude Bourré, je vous laisse le soin de nous présenter notre invité. Eh bien, effectivement, Claude Villers, ce soir nous avons un invité de marque, puisqu'il s'agit de Claude Poher, dont le ministre des Armées a souligné la qualité des travaux dans une interview exclusive que vous avez entendue il y a très peu de temps, dans l'émission Pas de panique. Claude Poher est ingénieur en électronique, oui, il me fait signe qu'il ne veut pas que je donne tous ses titres, mais je les donnerai quand même. Ingénieur en électronique, ingénieur en aéronautique, ingénieur en radioélectricité, docteur ingénieur en astronomie. Il est le responsable pour le CNES de la seule expérience étrangère embarquée à bord de Skylab. Et il est actuellement le chef de la division fusée-sonde au Centre National d'Études Spatiales. Avant de lui passer la parole, je voudrais rappeler les adresses des deux groupements jugés sérieux par Pierre Guérin, les groupements qui s'occupent des ovnis. Il s'agit du GEPA, du groupement d'études des phénomènes aériens, qui publie la revue Phénomènes spatiaux. Le GEPA, donc GEPA, 69 rue de la Tombissoire, 75 014 Paris. Et puis le groupement Lumière dans la nuit, qui publie la revue du même nom, Lumière dans la nuit donc. Il faut s'adresser à Monsieur Lagarde, 9 rue Camille Desmoulins, 65 000 Tarbes. Je redonne ces deux adresses car dans votre courrier extrêmement nombreux, vous nous les redemandez, c'est-à-dire que vous n'avez certainement pas eu le temps de les prendre en note vendredi dernier. Je voudrais vous rappeler également, car il y a encore des lettres en ce sens, que nous sommes tout à fait incapables de vous envoyer de la documentation, et je m'adresse là aux professeurs, aux instituteurs, aux étudiants et aux écoliers qui nous écrivent en disant « j'ai un cours à faire sur les ovnis » ou « j'ai un exposé à faire sur les ovnis ». Eh bien, malheureusement, adressez-vous plutôt soit au GEPA, soit à Lumière dans la nuit, qui pourront peut-être vous en fournir. Et un dernier mot, ne mettez pas de timbre pour la réponse sur vos lettres, vous serez gentils. Première question maintenant, à vous Claude Poher de jouer en quelque sorte, quelles sont les différentes formes d'ovnis connues? Eh bien, on a une majorité d'engins circulaires, généralement discoïdaux également, quelques formes ovoïdes en forme de ballon de rugby, et puis quelques rares engins en forme de cigares de très grande dimension. Jamais de forme carrée? C'est très rare. Y a-t-il des régions où les ovnis se manifestent plus fréquemment qu'ailleurs? Absolument pas. Il semble que le phénomène soit équidistribué à la surface de la Terre. Est-ce qu'on a une idée du mode de propulsion des objets volants non identifiés? Aucune idée. Le cas Adamski, voilà quelque chose qui revient assez souvent dans certaines lettres de nos auditeurs. Je crois d'abord qu'il faudra en deux mots rappeler ce que c'est et ensuite dire ce que vous en pensez, Claude Poher. Eh bien, en deux mots, c'est un monsieur qui prétend avoir été emmené par des extraterrestres sur Vénus. Je rappelle que sur Vénus, la température de la surface du sol est de l'ordre de 500 degrés et la pression atmosphérique de l'ordre de 100 atmosphères. Par conséquent, ce n'est pas possible de vivre à la surface de Vénus. Le cas Adamski est un canular notoire. Il y a très peu de canulars de ce genre-là, moins d'un pour mille des témoignages connus. Est-ce que des astronautes russes ou américains ont vu des ovnis à bord de leur capsule? On connaît le témoignage d'astronautes américains qui disent avoir vu quelque chose qu'on n'a pas pu identifier. En fait, c'est une observation extrêmement peu intéressante. C'était quasi ponctuel et très très loin de leur cabine. On ne sait pas ce que c'est. Comment expliquer la brillance des ovnis? On n'en sait rien du tout. On peut penser qu'il s'agit d'ionisation de l'atmosphère, mais en fait, on n'en est pas sûr. Y a-t-il des phénomènes électromagnétiques créés par le passage des ovnis? Absolument. Dans 2% des cas, on assiste à des phénomènes électromagnétiques, des déviations de compas magnétiques, des vibrations dues probablement à des champs magnétiques alternatifs de matériaux uniquement ferromagnétiques, et quelquefois même des pannes de voitures lorsqu'elles sont mues par des moteurs à allumage électrique. Y a-t-il des commissions d'enquête officielles sur les ovnis dans le monde en général et en France en particulier? Aucune à l'heure actuelle, et c'est d'ailleurs le problème. Je crois d'ailleurs qu'on peut rappeler à ce propos l'interview que nous a accordé M. Gallet, le ministre des Armées, et qui nous disait qu'il y avait une commission d'enquête officielle en France jusqu'en 1970, mais que cette commission avait été dissoute. Une question à propos d'une soucoupe qui se serait écrasée au Nouveau-Mexique. Est-ce vrai? Nous demande un auditeur.
Oh, c'est un canular. OVNI, véhicule extraterrestre, est-ce que c'est une hypothèse que vous retenez? En fait, on n'en sait rien parce que toutes les hypothèses qu'on est amené à faire à propos de ces engins sont des hypothèses qui sont impossibles dans l'état actuel de nos connaissances de la physique. Quelle est la signification du message largué par une soucoupe et analysé par l'ordinateur du Centre National de Recherche Scientifique avec l'aide du SDEC? C'est un auditeur qui nous pose cette question en nous joignant une coupure du Figaro du 27 décembre 1972. Ouais, c'est un canular encore, là. Et puis nous avons la classe de 6e 3 du CES Duclay à Isigny-le-Buat qui nous pose toute une série de questions que voici. Les Français sont-ils nombreux à avoir vu des ovnis? Oui, à l'heure actuelle, on pense qu'environ 7% de la population a fait des observations. Ces ovnis avaient-ils la même forme? Oui, en fait, tous les pays du monde observent les mêmes genres d'engins. Ces ovnis sont-ils habités et quel est l'aspect des habitants? Il y a 5% de cas avec observation d'occupants, c'est valable pour tous les pays. Et la forme des occupants? Bon, toujours les mêmes, de petits bonshommes d'un mètre vingt environ, qui ne sont jamais verts, je précise. Quand ces ovnis apparaissent-ils et restent-ils longtemps? On les voit surtout la nuit. 70% des observations sont faites de nuit, et principalement entre 20h et 22h. En fait, il s'agit probablement là d'un phénomène sociologique. Les empreintes laissées par les ovnis sont-elles toujours les mêmes? Approximativement, oui. Les ovnis sont-ils toujours silencieux? Ils sont silencieux dans 70% des cas, et c'est toujours les cas qui sont observés à plus de 150 mètres. À moins de 150 mètres, on signale dans la moitié des cas de très faibles sons, comme des bourdonnements, des sifflements légers, etc. Des techniciens pourraient-ils suivre les ovnis au radar? Oui, ça a déjà été fait dans environ 10% des cas. Des témoins ont-ils pu toucher des soucoupes volantes? Il paraît que c'est arrivé une fois, je n'en suis pas certain. Bon, voilà en gros les principales questions que vous nous avez posées. Je voudrais redonner maintenant les adresses des deux groupements qui peuvent éventuellement vous envoyer de la documentation et qui sont les deux groupements jugés sérieux par Pierre Guérin. Le GEPA, le groupement d'études des phénomènes aériens qui publie la revue Phénomènes spatiaux, 69 rue de la Tombissoire, Paris 14e, et le groupement Lumière dans la nuit, il faut écrire à Monsieur Lagarde, 9 rue Camille Desmoulins, 65 000, Tarbes. Alors Claude Poher, je vais profiter de votre passage à Paris, puisque vous êtes venu spécialement à France Inter pour répondre aux questions des auditeurs, et nous vous en remercions, pour vous demander ce que vous pensez un petit peu de cette vague actuelle que nous vivons. Est-ce qu'il n'y a pas une part de psychose là-dedans? Je ne crois pas, parce que lorsque l'on fait une analyse détaillée de ces témoignages, on constate que le maximum du nombre d'observations est toujours en avance de un mois et demi sur le nombre maximum d'articles dans la presse. Par conséquent, nous avons en ce moment une vague d'observations très classique. La vague de 54 était bien plus importante que celle-ci, puisqu'on a eu jusqu'à 60 observations par jour. Donc, on continue à envoyer des rapports à France Inter, je vous transmets ces rapports, vous les mettez sur ordinateur, et puis je crois que ça vous aide dans votre travail. Absolument, je vous en remercie infiniment. Ce qui est important dans le phénomène des ovnis, c'est le problème de la photo, parce que malheureusement, nous n'avons pas énormément de photos jugées authentiques de ces fameux objets volants non identifiés. J'ai demandé à Jacques Vinstin, qui est un photographe professionnel, de venir dans ce studio de France Inter pour essayer de vous donner quelques conseils au cas où vous seriez confronté avec ce phénomène des ovnis. Jacques Vinstin est donc un spécialiste des photos difficiles, il a roulé sa bosse un petit peu partout aux quatre coins du monde. Évidemment, il ne s'agit pas de donner des conseils aux photographes éclairés, à ceux qui ont l'habitude des diaphragmes, des vitesses, des rapidités de film, mais c'est pour tous les auditeurs de France Inter qui ont un appareil très simple. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Le premier conseil, je pense, c'est d'avoir un appareil à la portée de la main et un appareil chargé. Oui, ça semble évident, a priori, mais effectivement, tout le monde ne l'a pas. Ne l'a pas, et on peut se laisser distraire par le sujet et puis prendre des photos avec un appareil non chargé. Donc, une pellicule et un appareil photo, ça semble effectivement le béaba. Alors, la photo de jour, a priori, pas de problème. Les photos en plein jour, elles ne posent pas de problème parce qu'elles sont assimilables aux photos de vacances, aux paysages que l'on peut faire, en cadrant évidemment sur le sujet. Avec un appareil simple, on peut faire de très bonnes photos, avoir de très bons documents, à condition d'en faire beaucoup. C'est ça, il faut épuiser la pellicule. Épuiser la pellicule, il faut aller vraiment jusqu'au bout de ses ressources et faire des temps de pause différents si c'est possible, si l'appareil le permet. Deuxième cas, les photos de nuit. Les photos de nuit sont, disons, un petit peu plus difficiles, surtout pour des gens qui ont des appareils simplifiés. Normalement, ça nécessiterait de poser avec un pied.
Alors donc, il faut essayer de se caler dans un coin, si c'est dans la race campagne. Contre un arbre, bloquer sa respiration pendant la pause, faire plusieurs pauses. Et là aussi, ne pas hésiter à faire beaucoup de temps de pause. Et d'épuiser la pellicule. Si c'est possible. Et le développement de la pellicule ? Alors, pour le développement, je crois que c'est ça le plus important, c'est de confier ça à quelqu'un de spécialisé. Et vraiment, que la personne qui le développe puisse faire des tests de contrôle au préalable pour le développement. Eh bien, merci Jacques Vinstin. Et puis, voilà Claude Villers pour l'essentiel des questions posées par les auditeurs de Pas de Panique. Nous répondrons, bien sûr, plus amplement à d'autres questions dans les jours qui vont suivre. Et puis, pour ceux qui se seraient étonnés de la brièveté des réponses de Claude Poher, il faut savoir que Claude Poher va revenir au micro de France Inter, au micro de Pas de Panique, dans la deuxième partie de ce dossier OVNI, c'est-à-dire non pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. Et Claude Poher sera là avec Pierre Guérin, que vous avez entendu l'autre semaine, répondre également à vos questions. Ils seront là, entourés de spécialistes des ovnis, entourés de spécialistes de ces objets volants non identifiés, tels que Jacques Vallée de la Stanford University, du docteur Hynek de la Northwestern University, du professeur Sturrock de Stanford University, du docteur Edwards de l'Université Victoria au Canada, d'Edmond Campagnac, un physicien, de Michel Troublé, docteur ingénieur de Saclay, et de beaucoup, beaucoup d'autres qui, au cours de Pas de Panique, dossier OVNI, auront l'occasion de développer ces réponses à vos questions et puis aussi peut-être aux nôtres. En attendant, rendez-vous lundi pour la suite de ce dossier OVNI. Pas de panique.